Parlez-nous de cet événement. C'était ouf. C'était il y a 2 ans. C'était génial. Les t-shirts se sont mis à pleuvoir. Oh mais on était comme des fous. En termes de chiffres, c'est juste énorme. Il y avait des pixels partout. J'en ai même attrapé un. Bah pareil. Des animateurs, des youtubeurs. C'est ça qui est dingue. Des joueurs e-sport. Au niveau hôtesse. Des meufs super canons. À moins que ce ne soit le contraire plutôt. En kilos, ça fait Mais on s'en fout. Je saurais pas trouver les mots mais La fréquentation est exponentielle. J'ai adoré. Des blaireaux. Je sais que ça te fait plaisir. Ah non, mais du tout. La réalité virtuelle. C'est comme si t'étais dans le jeu. C'est la guerre. C'est ça le jeu vidéo. On y est. Mais c'est un truc de malade mental en plus. Ça bougeait. Il y en avait partout. Et moi j'ai eu le malheur de dire. Le truc génial. Tu l'as dit. Le jeu vidéo c'est mon truc donc forcément c'est un truc top. Ok. En termes de déo. Moins bien que les dernières années. Donc forcément ça. Ça fouette. Vidéo direct bien entendu. Kitis et Genius qui sont avec nous. Il est 15h, c'est Gamewan. Bonjour. Bonjour Kitis. Bonsoir. Genius, qui est toujours très content d'être là. Ah, la plus personne. Applaudis pas. Il attendait. Pas content, mais... Ouais, bisous. Ça va, t'es pas traumatisé, tout va bien. Choqué, ok, on t'embrasse. Bon, ça va. Tu veux faire une petite dédicace à des amis? La Kitou Family. La Kitou Family. Mais c'est quoi cette Kitou? Alors, attends, c'est quoi cette Kitou Family? Ça commence à bien faire. Parce que moi, je connais la Team Game One Family, c'est tous les téléspectateurs qui regardent l'émission. Mais c'est quoi la Kitou Family? C'est tous mes copains qui me suivent et qui... On a créé une... C'est où? C'est où? On veut savoir où c'est. On a créé un petit groupe. Enfin, ils ont créé un petit groupe et du coup, ils peuvent parler entre eux et c'est la Kitou Family, quoi. C'est la Kitou Family? Oui, c'est d'accord, c'est pas tes cousins, pas tes tantes et tout ça, parce qu'au début, je me suis dit, une grande famille. Non, non, c'est pas mes cousins, non, non. C'est à la base, c'est des followers qui étaient tout seuls et on s'est tous réunis, quoi. Ah bah écoute, Maxime, la Kitou Family, on embrasse toute la Kitou Family. On a un tweet d'ailleurs de téléspectateurs. Les loups, bienvenue dans les battles de The Voice. Aujourd'hui, les meilleurs chanteurs de Team Game One seront jugés par le seul unique Florent Panini. Applaudissements. Ouais. Oh, salut. Salut. Écoutez, c'est un plaisir d'être là. Je vendais des panini en Patagonie et d'un coup. Legend of Evermore. En quoi? Ça existe? Non, ça existe pas. J'ai paniqué. Attends, Jenny. Toi et tes femmes. Vite, ouvre la porte. Toi et tes femmes. Viens, tiens, vous. Ah là, c'est papy, c'est papy illusion. C'est un papy qui fait que des illusions perverses. Attrape-le, Gaïané, attrape-le. Capture-le. C'est un papy qui fait que des illusions perverses. Ça y est, il est attrapé. C'est quoi tout cet homme? Il a blessé. Il a des pertes. Il a des pertes. C'est l'émotion. Gaïané, sort d'ici. Non, c'est bon, ferme la porte. Alors. C'était lui. C'était Papy Illu. Papy Illusion. C'est un papy qui fait des allusions. Est-ce que je fais pas pour Mathieu quand même? Voilà, Mathieu. Tu veux en faire un? Vas-y, jette-toi dessus. Comment ça, jette-toi dessus? Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, viens, on se jette comme Angry Birds. Vas-y, fais-le. Attention. On a gagné. 5 6 6 7 7 Attention, Marcus, il connaît rien au foot. 8 8 C'est parti. Non, mais c'est série de jeux de foot. Non, on va essayer. Vas-y. 8 Allez, c'est parti. C'est parti. Il est complètement malade. Alors, kick-off. Sensible soccer. C'est bon. ISS. C'est bon. FIFA. C'est bon. US. C'est bon. Des Bleus. Adidas. Didier Deschamps. Il a gagné. J'adore ce jeu. Ouais, Didier Deschamps. C'est attribué beaux points. Et ouais, Didier Deschamps. Je suis d'accord. Et Adidas Power Soccer. Adidas Power Soccer. Premier direct de Clémence Arambovitch qui est derrière la caméra. La police. Allez. Il est là. Et un petit chabite pour Clémence Arambovitch. Comment ça? Non. Donc c'est le premier direct de Clément, c'est ça? Allez, premier direct, un petit chabite. Hop là. Et on vous présente Clément si jamais. Je monte. Voilà, il est là. Donc allez, on peut faire selfie comme ça. Et si jamais ça cadre mal, vous envoyez des tweets. Clément, c'est quoi ton Twitter? Clément Z. Et en plus, il le donne. C'est parti pour le quiz. Donc j'espère que vous êtes chaud. C'est chacun pour sa gueule. Mais ta gueule, c'est fini. Je m'en fiche.
parler des cartes, mais. Donc, j'espère que. Il va tomber, qui c'est que tu prends d'autre? Bon, c'est pas Kitu, ça va. Ah, Kitu est avec. Non, elle peut pas, parce que. Kitu, c'est bien, comme ça, elle jouera un Ewok. Ça tombe bien, oh, ça donne. Mais c'est grave. Oh, je rigole. Ça va, Kitu, ce que tu fais dans la vie? Va te faire foutre. D'accord. Alors, t'as deux. Le slip sur les pieds. Ouais. Ah, j'ai. Normalement, je. C'est... Non, c'est. Non, c'est... D'accord. Normalement, quoi? Non, j'ai. Kéane est pas parti. Là, on va la couper au montage. C'est horrible. C'est horrible. Alors, non, tu les mets bien. Elle est où? Tu vas aller où? Il reste quoi? La salle de montage ou l'ascenseur? La salle de montage. La salle de montage. Vite. Où? Ah! Oui, je vous l'ai. La mère Noël. Oh non, c'est dégueulasse. Attendez. Alors, je m'excuse auprès des téléspectateurs, je ne m'attendais pas à ça. T'as évité des slips. Oui, j'ai évité des slips. Est-ce que t'aurais cru un jour que t'aurais évité des slips? Il reste 10 secondes, les amis. C'était pas mon métier à la base. Kayane freestyle. G1 pour réagir, n'hésitez pas, vous dites, ça s'appelle Rainbow Slip, hashtag Team G1, hashtag Rainbow Slip. Ok, on va lancer le top. Qu'est-ce que tu fais toi? On n'a pas le droit, c'est du harcèlement sexuel ça. Genius, t'es prêt? Ouais, là au point j'en suis. Attention. Et on embrasse Kayane, bien sûr. Attention, 3, 2, Elle est magnifique, on l'embrasse. Bravo, Jocelyn, t'as trouvé. Comment ça va? Merci. Ça va très bien, Faites un baisse-moi, la princesse. On peut voir votre étoile noire? Allez, ça t'a gagné, c'est bon. Ça va, allez, gros bisous, ça va. Non, c'est pas 95. Non, t'es 1000. 95, j'étais là? Non. J'étais là. C'est après, mec, c'est 96 ou 97. C'était pas lancement de la PlayStation. Peut-être. Tête, fais une vraie tête avec ton bain. Là, ça bouge de là. Mais non. Fais comme ça. Une vraie tête. Attends, que ça. Il y arrive pas. Attends. Oh là, attention. Putain, je vais tout casser. C'est pas grave. On casse tout. Vas-y. Faut que t'appuies sur option sur le move. Non, mais celui-là, il bouge pas, tu vois. C'est dangereux, mais. Moi aussi, j'ai fait qu'avec un. Allez, Marc. Oh non, c'est pas la tête, ça. C'est pas la tête. Tu peux viser les cages. Non. Oh, headshot, 5 points. T'as-tu vise que la tête? Je vise que la tête. 5 points. Oh, go, 10 points. C'est génial. Non. Qu'est-ce que tu veux que je vise? Bien sûr, ça ne fait pas mal, on précise. Non, t'es combien? 2 fois la tête. J'ai eu la tête, j'ai eu les lèvres. 3 fois la tête. Et y a plus. Et c'est fini. Il y a Majibou, c'est mon pote. Paysagiste. Comme Monet. Tu peux refaire la tête de Genius ou... Paysagiste, non, tu peux pas faire, la tête de Genius. Est-ce que quelque chose s'inspire? Je t'inspire quelque chose. Merci, Gérard. Merci, Gérard. Il est assez dans sa. Mais ça marche. Je tenais juste à le dire, ça marche. C'est, en termes de technologie, c'est tout ce qu'il y a de mieux actuellement sur le marché. Et très honnêtement, l'écran incurvé. Alors, vous avez vu, tu disais rigolo blague, et genre 5 minutes après, elle lag. Elle a le cerveau qui lag. Ping de 200 sur les blagues de Julien. Bref, une Ting Game One sans Marcus, c'est vrai. On peut s'en passer. C'est chiant. Ah non, on peut pas se passer de Marcus. Team Game One sans Marcus, c'est comme un sandwich ton mayonnaise sans mayonnaise. Je peux vous dire, c'est un peu sec, hein. Ça passe mal. Rien à voir. Genre la mayonnaise, le côté gras, ça n'a rien à voir avec. C'était pas une méchanceté. Juste un truc. Moi, la question qu'il faut se poser, c'est que c'est qui le ton de la Team Game One? Et là, on se. Non, je plaisante. Non, c'est pas ici. Alors, on est deux filles, alors on est trois, forcément. Marcus, tu voulais dire. Oui, je voulais dire. Incroyable Mario Kart en vrai. Attention. T'as pris quelle couleur? Je sais pas, j'ai pris ça. En plus, il a des pilules. Ah, vas-y, bien, on mange. C'est du vomi. Vas-y, on mange. Normalement, c'est vomi. T'as deux chances. C'est soit vomi, soit pêche. Mais dégueulasse. Ah, la tête que tu fais. Non. Attendez.
Il se passe quoi avec l'once dans le temps de rester? J'ai très peur. La raconte, apparemment, ça sera sale quart d'heure. Si. À un moment, ça devient dégueulasse. Il a voulu tricher. Marcus, il a voulu tricher. Oh non, non, non. C'est quoi? C'est dégueulasse. C'est le vomi. Alors? Il est horrible, hein? Ah, mais merde, je les ai, Tu recraches pas. On ne recrache pas, Marcus. C'est sûr. On le mange. Ah, il est bien dégueu, hein. Allez, le prochain. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est du vomi. Kittis. J'ai l'impression d'être dans, enfin, sur la mer. Et voilà. Ouais. Alors là, c'est énorme, mes amis. Nous sommes en plein direct. Nous sommes en plein direct et alerte incendie. Alors là, on a deux choix. Soit on évacue le plateau et à ce moment-là, il n'y a plus personne pendant deux heures en direct à la télévision. Soit on garde l'antenne et on brûle avec vous en direct. Donc, on s'excuse, ça c'est unique à la télévision. Alors là, tweetez, allez-y, c'est parti. On a une alerte incendie dans les locaux. Vous inquiétez pas, on va garder l'antenne. Le bruit va s'arrêter dans quelques minutes. C'est mais sûr. Voilà, on est dans les locaux. Alors dans les locaux, voilà. C'est pas le dindon, ça? Non, ça c'est Pierre Boulet. Non, appuie. Bon, y a pas de cafette. La cafette. La cafette, bon, t'es où? La cafette, en cours. Ah, attention, il faut les capturer vite. Qu'est-ce que c'est, ça, c'est le truc? Un fan du journal du geek. Et de Team Game One. Vous présentez un iPhone 7 et 7 Plus qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui sorti il y a deux ans. Exactement. J'ai une question. Est-ce qu'Apple n'est pas en train de retenir les chevaux en attendant les 10 ans de l'iPhone en 2017? Très honnêtement, non. Libérer les animateurs, on va tous défoncer Tweety. N'oubliez pas de voter. Hashtag Noël Genius, s'il vous plaît.